Bonjour, très chers auditeurs et auditrices de la radio Sainte-Marie. Je suis Julienne et je vous accompagne chaque jour avec la méditation quotidienne, un moment avec Jésus chaque jour de l'année. Aujourd'hui, 5 mars, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Fais de tes problèmes tes amis. Même si bien des choses semblent dépourvues de sens et négatives, souviens-toi que je suis souverain. » Je peux tout faire contribuer à ton bien dans la mesure où tu me fais confiance. Chaque problème peut t'enseigner une leçon et te transformer petit à petit pour que tu deviennes le chef-d'œuvre que j'avais prévu en te créant. Il peut aussi te faire trébucher si ton attitude face à lui est faite de défiance et de révolte. Le choix de ta réaction t'appartient et tu auras à le faire plusieurs fois par jour. Le meilleur moyen de faire de tes problèmes tes amis, c'est de me remercier de leur existence. Ce simple acte de reconnaissance ouvre ton esprit à la possibilité d'en tirer du positif. Tu peux même donner des surnoms à ceux qui reviennent régulièrement. Cela t'aidera à les aborder sans crainte, comme de vieilles connaissances. L'étape suivante consiste à me les présenter en me laissant m'en charger dans mon amour. Je ne vais pas forcément les effacer, mais grâce à ma sagesse, il en ressortira du bien. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés de l'épître de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 28, et la première épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 23 à 24. Je vous souhaite de passer une agréable journée et vous donne rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte-Marie, la radio de l'espérance chrétienne.